C'est parti pour le dernier quart d'heure de cette émission, le quart d'heure thématique où nous allons parler de crowdfunding et nous allons en parler avec Nicolas Serres, président et fondateur de WeSeed. Bonsoir Nicolas Serres. Bonsoir Nicolas. Alors on va parler donc de, de crowdfunding. Tout d'abord WeSeed existe depuis 2008, je crois. Vous faisiez partie finalement des, des, des premiers à, à vous lancer dans cet investissement via, via le crowdfunding. Oui, absolument. Pour le domaine de l'investissement, on était les premiers, je crois. On est précurseurs effectivement moi, en France et en Europe, ouais, tout à fait. Alors justement, on, on fait cette différence entre crowdfunding et Investissement via le crowdfunding. C'est vrai que le crowdfunding, on, on connaît tous effectivement des projets à financer, que ce soit des projets de notre entourage qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou, ou, ou autres, parfois des projets associatifs. L'investissement associatif, dans le crowdfunding, qu'est-ce qu 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 que ça veut dire L'investissement, c'est permettre à des investisseurs particuliers de placer des liquidités qui sont susceptibles de générer de la valeur et qui génèrent de la valeur, donc un retour financier. Sur l'investissement. Donc, la plateforme en fait permet d'investir, mais également sert d'intermédiaire entre des projets et euh, bah, n'importe quel particulier en fait qui veut investir directement sur, sur un projet. Absolument, l'idée c'est de démocratiser l'économie, donc pour rendre accès effectivement à un investisseur particulier, à des émetteurs qui sont mm -hmm. euh, des entreprises euh, nationales, essentiellement dans différents domaines qu'on va sélectionner et euh, identifier et proposer aux investisseurs. Alors, on peut peut-être se placer d'abord du, du point de vue de l'investisseur. Euh, quand je veux investir dans un un projet, dans une entreprise euh, via une plateforme de crowdfunding, il faut que je crée un compte particulier. Ça se fait via un virement. Co co comment ça fonctionne Parce que on sait comment, comment on fait quand on finance effectivement un projet associatif. Euh, là, là, quand on parle d'investissement dans une entreprise, ça, déjà, ça fonctionne de quelle manière Alors, On est soumis aux règles prudentielles, d'accord, hein, qui sont érigées par le couple acpr A.M.F. Donc, euh, un investisseur, avant qu'il devienne investisseur, en fait, il doit euh, euh, finalement euh, montrer tout son pedigree, d'accord. Euh, donc sa connaissance des instruments financiers, des investissements, le niveau de risque qu'il est prêt à prendre, et puis euh, fournir l'ensemble des documents d'identité, de domiciliation. Euh, pour... Comme quand on ouvre un compte finalement. Absolument. Okay. Oui, absolument. Comme quand on ouvre un compte, et, et, et pour autant, du coup, ensuite euh, l'investissement se fait. Euh, enfin, on vient quoi Un compte titre, un PEA ou euh... Alors, ça se fait en direct. D'accord. des titres en nominatif pur. Tous les titres sont en nominatif pur, mais le, le, une des particularités du crowdfunding, c'est qu'on a, on a industrialisé, on a digitalisé à 100% tous les processus d'investissement et de désinvestissement. Donc, tout se fait en ligne à partir d'un mobile ou d'une tablette. Et alors, on peut se poser la question là, vous, vous, vous parlez d'investissement de, de, ou, de, ou de produits financiers. Quand on investit en crowdfunding donc le crowdfunding c'est le moyen oui. on on, on, a, on investit dans un projet, euh, oui. ça veut dire que c'est quoi C'est une action euh, de l'entreprise, c'est une obligation de l'entreprise, c'est une, euh, une troisième façon d'investir dans l'entreprise Alors, non, on est sur des instruments euh, dits conventionnels, mais essentiellement des actions et des obligations. D'accord. Euh, après, les actions et les obligations, on les adresse sur des projets de nature différente. Les obligations, aujourd'hui, elles sont essentiellement ciblées chez nous sur des, du financement de projets immobiliers, dits D'accord. Immobilier. Ok. Et les, 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 les projets euh, euh, dits technologiques, les entreprises dites technologiques, Logique, on vient les investir en actions, donc on vient proposer des actions aux investisseurs. Et ça, c'est parce que. Vous considérez que, selon les secteurs d'activité, ça fonctionne mieux C'est une demande, finalement, en fait, que vous avez vue des, des investisseurs particuliers Alors, c'est surtout les modèles d'intervention et les, la nature des activités, la nature du financement qui fait qu'on l'oriente dans l'obligation et dans de, du, du, du haut de bilan D'accord. Euh, de l'action. Par exemple, quand vous financez une entreprise technologique, effectivement, on est là sur un, un couple rendement-risque qui est important, mm -hmm. euh, donc un investissement qui va se porter sur la durée, et les, les, les entreprises ont besoin d'apports en fonds propres purs au capital, et donc on vient euh, euh, nourrir, effectivement, Capital avec, une, avec des actions. Quand on est sur un projet euh, immobilier, on connaît euh, la sortie, ça reste un projet, donc il y a une mm -hmm. fin qui identifier. Et là, on vient euh, faire du quasi-fond propre sous forme d'obligation. De, 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 D'accord. Donc voilà. on, détient, on, on, on prête en fait à, à, à l'entreprise, oui. ou en tout cas à l'entreprise immobilière. J'ai vu également que, que vous faisiez des SCPI, c'est assez, assez étonnant de, de coller une SCPI euh, sur une plateforme de, de crowdfunding. Pourquoi, euh, pourquoi ce choix de votre choix et celui de la SCPI en question Alors on suit, hein, on suit le sens euh, de, et on suit le besoin de nos clients investisseurs. C'est-à-dire qu'on fait, euh, historiquement, on, on propose en crowdfunding des, des projets en deal by deal. Donc vous choisissez l'unité de projet mm -hmm. et vous diversifiez votre, vos allocations en fait sur un portefeuille que vous constituez vous-même, soit en obligation pure, soit en action, soit en mixte. Donc quand vous dites portefeuille, c'est les différents projets qu'on peut trouver voilà. sur une plateforme. Voilà, okay. absolument. Et, et ces mêmes investisseurs, en fait, ils ont, euh, depuis plusieurs années, en fait, ils nous sollicitent pour qu'on leur propose des produits dits diversifiés. D'accord. dire à partir d'une seule allocation, euh, qu'on vienne effectivement investir dans différents produits, mais euh, au travers d'une gestion qui est organisée est pilotée. et pilotée. Euh, et en fait, les OPC sont faits pour ça. Et donc, on est en train de, de construire une gamme d'OPC qu'on a sélectionné nous-mêmes, qui correspondent aux secteurs d'activité sur lesquels nous, on est positionnés et qu'on vient proposer à la souscription en complément des produits en deal-by-deal qu'on fait euh, traditionnellement. C'est intéressant en fait comme approche finalement de, de ce crowdfunding parce qu'on ne vient pas financer un projet dans lequel on croit ou qu'on a envie de voir émerger pour une raison ou une autre on vient sur une plateforme et ensuite en fait, on va choisir de diversifier, diversifier en fait son portefeuille dans différents projets qu'on regarde et dont, dont j'imagine qu'on qu qu va aller chercher pour, pour une raison ou une autre mais euh, le, 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 le vecteur premier c'est l'investissement. Absolument, absolument. Et je pense qu'on est passé d'une phase euh, au démarrage de la vie du crowdfunding où la, une des motivations euh, était, euh, 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 comment on va dire, soutenue par une part émotionnelle de l'investissement. Euh, après, il est devenu sur une notion de conviction. Après, sur une notion vraiment de placement euh, de liquidité, d'alternative à, euh, à, à ce placement et pour optimiser son épargne, en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, on offre nous on va essayer d'offrir une gamme qui est de plus en plus large de produits d'investissement qui correspondent à nos missions, à notre, à notre ADN. Bien sûr donc on parle de produits d'investissement oui, oui complètement. Absolument, qui vont permettre effectivement à l'investisseur sur un seul et même euh, outil de pouvoir diversifier ses allocations et les piloter sur cet outil là. Alors parlons un petit peu des, des projets, là, on était très côté investisseur mais derrière du coup euh, les, les projets euh, comment ça fonctionne, c'est comme sur n'importe quelle plateforme de crowdfunding on met, euh, on, on met son projet en en ligne, on espère que ça marche. Ou là, pour le coup, vu qu'on parle de produits d'investissement, il y a une sélection et une analyse qui est faite. Absolument, une grosse sélection. Il y, il y a grosse une grosse sélection. sélection. Ouais, ouais. <laughs> ouais, tout à fait. Tout à fait. Je Donc. pense qu'on a, on a les, mêmes, les, les mêmes types de propriétés, de caractéristiques, de sélection d'investissement que les meilleurs professionnels de la place. D'accord. On rajoute nous des composants qui nous sont propres par rapport à des valeurs que l'on défend. Euh, euh, mais globalement, on a une équipe de professionnels euh, auditeurs sur tous les domaines d'activité sur lesquels on, on est présent. Et donc ça veut dire quoi que vous garantir, On peut pas garantir effectivement des performances sur sur un, un, un produit d'investissement, mais vous dites bah tiens cette telle entreprise, on a analysé euh, son bilan, on a analysé j'imagine son, son son impact carbone ou autre parce que je suis allé faire un petit tour sur WeSeed, ouais. et Donc je sais que c'est des des thématiques qui vous euh, qui, qui, qui vous sont chères et ensuite vous la proposez euh, aux investisseurs, mais qui vont euh, ils vont pas acheter un portefeuille de toutes les de toutes les de tous les projets que vous avez identifiés. Ils vont ensuite eux-mêmes choisir dans quel projet ils veulent Absolument. ils veulent investir. Absolument. Et ce, -ce qui est important. Là-dedans, c'est qu'on souhaite que les investisseurs ils aient une connaissance très précise en fait, de l'allocation dans laquelle ils vont mettre leurs fonds. C'est pour ça qu'on a, a une, une propriété, c'est qu'on a une vertu euh, éducative. Mm -hmm. Et on est très transparent sur les projets qu'on met en ligne. On explique de A à Z, effectivement, de quoi il en retourne, quel est le projet, quelle est l'équipe, quels sont ses dirigeants. On peut entendre parler les, les dirigeants, on peut même discuter ouais. avec en eux. Fait, on, on ouvre le fonds finalement. c'est Plutôt que d'investir oui. dans un fonds, on dit, bah, regardez, il y a 15 lignes. Bah, les 15 lignes, dont on les a sélectionnées. Bah, vous investissez dans celles que vous voulez. Absolument, absolument. Et euh, une idée, peut-être, de, de, de ce que vous, de ce que vous regardez concrètement quand vous analysez un projet. Alors on a dit, alors je vais, je vais, vais, vais peut-être travailler sur des segments, mais sur le Bien segment sûr. immobilier, par exemple, on va, finis, on va financer des opérateurs immobiliers qui ont un programme, par exemple, de construction immobilière, donc mmh. de type promotion, donc eux, ils vont acheter un actif, un foncier, qui est construit ou pas. Euh, euh, et sur ce foncier là ils peuvent diviser euh, l'actif faire une construction et revendre en fait les lots issus de cette construction là à des tiers et donc euh, et nous on vient là euh, euh, apporter des fonds propres à l'opérateur qui vont lui permettre de faire un levier bancaire, c'est la banque qui va venir financer globalement l'acquisition du foncier et le financement de la construction et nous on vient en support fonds propres pour l'opérateur Alors ça c'est l'immobilier, vous nous avez également parlé de, 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 de vertical en lien avec le développement durable et euh, oui. vous avez également, euh, j'ai Vu sur votre site une verticale en lien avec les régions ça c'est et notamment la région occitanie ça c'est pourquoi est parce que vous aimez particulièrement cette région ou il y a une autre raison derrière alors c'est déjà parce que notre siège social est à toulouse donc ça, en ça région peut expliquer occitanie <laughs> euh, parce que on a euh, c'est pour nous effectivement un moyen de participer à soutenir effectivement les entreprises de la région occitanie en l'occurrence d'accord euh, face au contexte qu'on connaît tous qui est, qui, est, qui est difficile et avec la région on s'est mis d'accord pour essayer de mobiliser effectivement les citoyens occitans donc il y a un accord avec la la région, pour absolument, coup, ouais. absolument, qui est un, un accord très structuré et qui mm -hmm. nous permet effectivement de proposer à une autre communauté d'investisseurs, mais surtout à la communauté des investisseurs, aux nouveaux investisseurs occitans, effectivement, de participer au développement des entreprises régionales à potentiel. Hein, ça ne veut pas dire qu'on présente toutes les entreprises. On, a Donc on reste dans la même logique, règles. effectivement, d'analyse et on présente ensuite les, les entreprises de la région dans lesquelles vous croyez, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme, oui. et ensuite vous les mettez à disposition des, des investisseurs occitans. Absolument. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir présenté de Nicolas Serres. Nicolas Serres, je rappelle que vous êtes président et fondateur de WeSeed et donc nous avoir présenté bah, cette, cette nouvelle façon d'investir finalement via des plateformes de crowdfunding. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse. Smart Bourse, c'est fini pour ce soir, mais je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi, comme d'habitude.